Burundi a appris ces derniers jours que notre voisin, le Rwanda, connaît actuellement une épidémie de la maladie à virus de Marburg. Et cette information a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il s'agit d'une maladie très contagieuse et hautement mortelle. La maladie se transmet essentiellement par le contact de sang ou tout autre liquide biologique provenant d'une personne infectée, par le contact avec les surfaces ou les objets contaminés par ces liquides, ou le partage des outils ou le partage des vêtements avec les personnes contaminées. Cette maladie se manifeste par de la fièvre, des maux de tête très sévères, des frissons ou des malaises généralisés, accompagnés par une hémorragie sous-cutanée, des saignements nasaux, des saignements vaginaux, des saignements gingivaux ou des vomissures de sang ou du sang dans les selles. La période d'incubation est de 3 à 21 jours. Face au risque très élevé de propagation de cette maladie dans notre pays en général et dans les provinces frontalières avec le Rwanda en particulier, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a pris au sérieux cette information. Ainsi, nous appelons toute la population vivant au Burundi à redoubler d'efforts dans l'application stricte des mesures de prévention pour éviter la contamination et la propagation de ce virus de Marburg. Ces mesures de prévention sont les suivantes: éviter les contacts directs avec des personnes, qui qu'elles soient, se laver régulièrement les mains avec du savon ou du désinfectant, signaler tout cas suspect aux autorités sanitaires les plus proches, éviter de se serrer les mains en ce moment de suspicion de cette maladie, éviter de toucher les liquides provenant de l'organisme humain d'autres personnes, même les personnes non malades, consulter rapidement les structures de soins, les centres de santé et les hôpitaux les plus proches dès l'apparition des premiers signes suspects de la maladie. Le gouvernement du Burundi rassure toute la population vivant au Burundi que toutes les mesures à la prévention et à la prise en charge des malades du virus de Marburg ont été prises. Unissons nos efforts pour barrer toute la route à cette terrible maladie.